Edgar Cayce. Edgar Cayce est parfois considéré comme le prophète dormant et l'un des plus grands mystiques d'Amérique. On dit de Cayce qu'il était prophète, mystique, médium, voyant. Dès son plus jeune âge, il fait preuve de pouvoirs psychiques hors du commun. Mais sa médiumnité ne se révélera qu'à l'âge adulte. Cayce doit sa notoriété aux réponses qu'il donnait en état de transe. La transe était conduite pour une personne, habituellement celle pour le compte de qui la séance était tenue. Les informations données par ce biais furent appelées lectures. Il réalisa plus de 14 000 lectures, dont plus de 10 000 portant sur des problèmes médicaux. Placé en état d'hypnose, il diagnostique les maladies et indique le traitement à suivre. Ces lectures de santé furent alors vérifiées par des médecins qui attestèrent que dans 90% des cas, Edgar Cayce voyait juste. L'infaillibilité de ses diagnostics, l'efficacité de ses méthodes de soins et la nature même de ses préceptes de santé firent de lui le principal précurseur de la médecine holistique moderne. Ces lectures traitaient d'abord de la santé physique de l'individu. Plus tard, les lectures ont aussi porté sur les vies passées, le commerce, l'interprétation des rêves et la santé mentale et spirituelle. Avec le temps, beaucoup des thèmes du New Age ont émergé de ces lectures, ce qui a contribué à la notoriété actuelle de Cayce. Il invitait souvent son auditoire à tester ses suggestions, plutôt que de les accepter, parce qu'il croyait en lui. À sa mort, Cayce a laissé derrière lui une importante base de données sur les soins naturels. Il est aujourd'hui reconnu comme étant le plus grand médium américain du XXe siècle. Il reçut de son vivant le surnom de prophète dormant, car il était capable de visualiser non seulement le chemin de vie de ses consultants, mais des pans entiers de l'avenir de l'humanité. Il avait d'ailleurs indiqué avec exactitude des années à l'avance le jour et même l'heure de sa propre mort à son entourage. Au début du XXe siècle, il parlait déjà de la planète Pluton, bien avant sa découverte, de l'énergie atomique, de la télévision et du rayon laser, bien avant leur invention, ainsi que de l'aura et des glandes endocrines dont l'importance était alors totalement sous-estimée. On commence d'ailleurs à s'apercevoir qu'il était non seulement un grand guérisseur et un extraordinaire visionnaire, mais aussi un véritable initié de la science ésotérique. Dorothée Quechling de Bismont a consacré une partie de sa vie à traduire les 14 256 lectures d'Edgar Cayce et à faire connaître le message de cet être hors du commun auprès du public francophone. Or, plus les années passent et plus on s'aperçoit que les pièces du puzzle prophétique qu'il construisit dans les années 1920 à 1930 se mettent désormais en place avec une précision déconcertante. Elles concernent notamment le dérèglement climatique et ses conséquences immédiates, avec la perspective d'un basculement des pôles au cours des prochaines années. Hypothèse aujourd'hui reprise par de nombreux scientifiques. Edgar Cayce a annoncé en 1936 le glissement de l'axe des pôles, c'est-à-dire le commencement d'un nouveau cycle. Il se fera d'abord en douceur, puis il viendra un temps où, le processus s'accélérant, il deviendra violent, sous forme d'éruptions volcaniques, séismes, pluies diluviennes, tsunamis, etc. Les scientifiques donnent raison à Edgar Cayce. Le basculement des pôles? Certains vous diront, vous plaisantez. C'est de la science-fiction. Mais en réalité, c'est une vieille histoire qui intéresse depuis longtemps les savants. Les géologues ont mis en évidence ce qu'ils appellent la migration des pôles magnétiques au cours des âges. On a trouvé par exemple que dans les coulées de lave sortant des volcans, les particules ferromagnétiques s'orientent. Pendant le refroidissement de la coulée, selon le champ magnétique terrestre, elles indiquent le nord magnétique au moment de l'éruption. On s'est aperçu en étudiant les coulées anciennes que le nord magnétique a beaucoup voyagé. Le même phénomène a pu être identifié dans des poteries préhistoriques qui sont restées à la place où elles avaient été cuites. On a pu observer que les particules métalliques contenues dans l'argile se sont orientées pendant la cuisson et le refroidissement vers le nord magnétique de l'époque, qui dans bien des cas n'était pas au même endroit que l'actuel. Ainsi, on a la preuve scientifique du déplacement du pôle nord magnétique. Pendant presque toute sa vie d'adulte, Edgar Cayce a été capable de fournir, par ses perceptions psychiques, des renseignements dans presque tous les domaines imaginables. Quand on lui demandait une consultation, il se plongeait dans un sommeil hypnotique. Dans cet état, il pouvait répondre pratiquement à toutes les questions. Comme je vous l'ai déjà dit, ces réponses sont appelées des lectures. Aujourd'hui, ces lectures constituent une des plus grandes et des plus impressionnantes bases d'informations intuitives émanant d'une seule personne. Cayce était né le 18 mars 1877 dans une ferme du Kentucky. Dès son plus jeune âge, il a donné des preuves de son talent naissant. Il était capable d'apprendre ses leçons en dormant sur ses livres de classe. À 21 ans, il fut atteint d'une paralysie graduelle de sa gorge, qui causa la perte presque totale de sa voix. Les médecins étant incapables de trouver une cause et encore moins un remède à son état, Cayce entra dans le même sommeil hypnotique qui lui avait permis d'apprendre ses leçons des années auparavant. Dans cet état, il fut capable de diagnostiquer son mal et de se prescrire un traitement qui guérit avec succès les muscles de sa gorge et il retrouva sa voix. Il découvrit quelque temps plus tard qu'il pouvait faire la même chose pour les autres. Certains médecins allaient même jusqu'à lui envoyer leurs malades incurables. Finalement, ces lectures se sont étendues à des sujets tels que la réincarnation, les civilisations anciennes, l'astrologie, la méditation, les rêves et les prophéties. À son corps défendant, Cayce était croyant et avait le vœu de lire la Bible une fois par an. Imaginez son désarroi et son effroi quand on lui a appris qu'il parlait de réincarnation. Les travaux d'Edgar Cayce fournissent plusieurs visions passionnantes des époques de l'histoire de l'humanité, pour beaucoup peut-être celles ayant trait aux civilisations anciennes de l'Atlantide et de l'Égypte. Elles sont les périodes les plus remarquables traitées dans les lectures de Cayce. Dans l'optique de Cayce, beaucoup de technologies d'aujourd'hui sont simplement la redécouverte de connaissances et d'informations connues par la civilisation atlante. Néanmoins, bien que les Atlantes aient été avancés technologiquement, beaucoup de gens avaient perdu leur but premier dans la vie, en se préoccupant que de la puissance et du monde matériel. En fait, avant la troisième et dernière destruction de l'Atlantide vers 10 500 avant Jésus-Christ, beaucoup d'Atlantes avaient immigré en Égypte et s'étaient intégrés dans une culture qui a atteint le sommet de sa gloire en même temps que le troisième cataclysme atlante. Sous la direction d'un grand prêtre nommé Rata, qui n'est autre qu'une des vies antérieures d'Edgar Cayce, l'Égypte a commencé à mener le monde à une politique sociale visant à l'égalité, la transformation personnelle et la responsabilité morale vis-à-vis des autres. Finalement, la civilisation égyptienne est considérée comme non égalée dans l'histoire scientifique du monde et créditée de l'introduction de l'écriture, la science médicale, l'irrigation, l'architecture et le nationalisme. Cayce a affirmé que les archives de cette civilisation glorieuse seront un jour découvertes en Égypte. De plus, les lectures suggèrent qu'entre 1958 et 1998, le monde serait encore confronté aux mêmes circonstances et aux mêmes épreuves qu'ont affrontées les Atlantes et demande que l'humanité se souvienne de sa vraie nature spirituelle pour que nous puissions entrer dans un nouveau millénaire de paix et d'espoir. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien à vous, de la pierre à la lune.